Bonjour élève harmoniciste, c'est la vidéo du lundi matin. Il est 7 h, c'est l'heure de notre exercice de confinement. Oui, mais c'est le 11 mai, chic alors. Nous sommes demi-déconfinés, c'est la joie. Alors, le principe de ces exercices de confinement, si tu ne le sais pas, je te le rappelle en quelques mots, c'est que je t'impose un rythme. Et sur ce rythme, tu vas trouver des notes en improvisation sur une piste d'accompagnement que tu vas pouvoir télécharger. Je te donne un exemple et ensuite, c'est à toi de jouer. Donc, je te dévoile donc la phrase, surtout, enfin, la phrase, je viens de te la dévoiler, mais surtout, ce que je vais te dévoiler, c'est comment j'ai trouvé le rythme de cette phrase. Et ensuite, je te montrerai. Donc une improvisation à partir de cette phrase sur les accords de la grille de confinement. À tout de suite. Alors donc la phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui pour célébrer ce 11 mai en France, c'est nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur. Bah oui, parce que oui, non pas c'est la joie, hein, quel bonheur plutôt. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur. Au début, j'avais écrit c'est la joie, mais finalement, j'ai écrit quel bonheur et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, en fait, ah oui, demi-déconfinés parce que bah, on est déconfiné, mais on n'a pas le droit d'aller partout quand même. Hein. Voilà, il y a des zones, il y a des zones à risque. Enfin, surtout 100 km, mais pas plus. Je ne comprends pas bien pourquoi 100, pile 100 km, mais bon. Et pourquoi est-ce qu'on est déconfiné pile le 11 mai? Je ne sais pas non plus. Mais bon, peu importe. Alors, donc, nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur. Alors, en fait, j'aurais pu, donc, en fait, quand je dis la phrase, nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur, bon, c'est assez régulier. Okay? Mais si je dis, par exemple, alors, comme c'est régulier, on va dire, par exemple, si on décroche, nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur. Ça fait pas très naturel de dire, nous sommes demi-déconfinés. Nous sommes demi-déconfinés. Pourquoi ça ne paraît pas naturel? Bah, parce que les syllabes, enfin, comme je suis en croche, pa, 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 taca, taca, bah, en fait, si j'accentue la première des deux croches, ça donne quelque chose qui n'est pas naturel en français. Nous sommes demi-déconfinés. Ça ne marche pas trop. Mais si je décale et que le nous, je le fais sur la seconde croche, c'est-à-dire qu'il y a un demi-soupir et ensuite une croche, ça fait nous sommes demi-déconfinés. Et là, ça marche mieux parce que nous sommes demi-déconfinés. Ça ressemble plus à de l'accent tonique français. Okay? Nous sommes demi-déconfinés. Alors au début, j'avais écrit c'est la joie. En disant, alors, demi-déconfiné, et après je reprends, c'est la joie, donc il y a une virgule, demi-déconfiné, c'est la joie, et c'est la joie, ça se terminait par une noire ou éventuellement une noire en staccato. Et je me suis dit, ça peut être plus sympa musicalement de terminer par une blanche. Alors je ne vais pas dire c'est la joie, ça fait bizarre, mais quand on dit quel bonheur, on dit rarement quel bonheur. C'est plutôt quel bonheur. Donc, heure dans bonheur, c'est une syllabe plus longue, donc une blanche. Donc, ça fait nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on répète cette phrase avec un métronome, sur le métronome, sur les pulsations du métronome. On va aller de 60 à 120, puisque le morceau, il va falloir le jouer à 120. Donc, croche binaire à 120. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a fait la semaine dernière, puisque la semaine dernière, nous étions à 66. Donc, on va faire 4 fois de suite, chaque tempo. Donc, je t'indique le tempo au fur et à mesure. Donc, écoute-moi la première fois, et puis les 3 fois suivantes, et essaie de faire en même temps que moi. Donc, je viens de régler mon métronome, 4 temps par mesure. C'est la noire qui vaut un temps, 60 battements par minute. Okay? Donc, on y va. On fait ça en boucle. Un, deux, trois, quatre.
Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire enchaîner, d'accord? Alors, je refais quatre fois de suite enchaîné. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 Bon, là, on sent pas le bonheur encore, hein, parce qu'évidemment, c'est trop lent. 63. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 Ok, 66. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 69. À force de faire l'exercice, tu dois commencer à avoir des notes qui t'arrivent en tête. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 72. 2, 3. 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 76. Alors moi j'enchaîne, mais toi, si vraiment tu as du mal, tu arrêtes la vidéo, tu reprends un peu en arrière et tu relances la vidéo. Ok ? 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 80. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 84. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 88.
1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés. Quel bonheur! 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 92. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés. Quel bonheur! 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 96. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 Toi, amuse-toi avec ça. 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 104. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 Ok, 108. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 112. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 116. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 120. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 On va même aller jusqu'à 126, comme ça, on sera vraiment à l'aise quand on prendra l'accompagnement à 120. 1, 2, 3, 4. Nous sommes demi-déconfinés, quel bonheur! 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 Bon, voilà. Alors, avec tout ça, ben moi, en fait, j'ai déjà préparé quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la piste d'accompagnement donc, sur la grille que j'affiche ici, qui est Do majeur sur deux mesures, Fa majeur sur une mesure, Do majeur sur une mesure, Mi mineur sur une mesure, La mineur sur une mesure, Ré mineur sur une mesure, Sol 7 sur une mesure. On fait ça trois fois et on termine par deux fois Do majeur. Et donc, l'idée, c'est que bah, en fait, on commence la phrase sur un accord, on la finit sur un autre accord, à part les deux premières mesures où il y a tout le temps l'accord de Do majeur. Et donc, j'ai pensé à des phrases. Et donc, j'ai fait en sorte qu'elles puissent être jouées dans le médium en note naturelle et aussi en note altérée dans le grave. Donc, ça donne ceci. Enfin, en tout cas, c'est une proposition. Voilà. Donc, je vais tout jouer ce morceau. Hop, voilà. Donc, c'est juste une proposition, bien évidemment. Hein. C'est pas la réponse à l'exercice. Hein. C'est pas la solution de l'exercice. Tac, voilà. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, ça apparaît en plus grand. Donc,
Schluck. Voilà, donc je prends ma bête de course en si bémol. Et une bête de course toute propre, puisque hier après-midi, je l'ai nettoyée. Il y en avait besoin, ça faisait presque un mois que je ne l'avais pas fait. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais simplement t'indiquer, si tu n'es pas habitué à me voir jouer ces exercices de confinement. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je fais la première ligne. Donc, la tablature est indiquée ici. Donc, tu vois, ce sont que des notes naturelles. Quand il y a un plus, ça veut dire que c'est soufflé. Quand il n'y a pas de plus, ça veut dire que c'est aspiré. Et donc, je fais ça jusque-là. Et ensuite, je refais la même ligne, mais cette fois-ci avec des effets. Donc, si tu en es aux altérations, si tu commences à connaître quelques effets comme les glissandos, des choses comme ça, je ne sais pas encore ce que je vais jouer exactement, mais je vais mettre des effets pour que ce soit plus sympa. Et ensuite, je passe à la seconde ligne. Voilà, donc qui est ici, évidemment. Donc là, en fait, tu as aussi des notes naturelles aussi, c'est normal, mais tu as aussi des notes altérées, aspirées. Donc, si tu es de niveau 2, eh bien, tu peux aussi t'amuser dans le grave. Et je termine dans le grave avec les deux dernières lignes que je joue ensuite, puisque ça, ça ne se joue qu'à la fin. OK ? Voilà. Donc, c'est médium grave, hein, puisque tu as quelques notes dans le médium quand même. Voilà, voilà. Eh bien, c'est parti. À toi de jouer maintenant. Alors, comment faire pour jouer sur cette piste d'accompagnement? Eh bien, tu vas pouvoir télécharger pas moins de 9 cadeaux. Chlouk, chlouk, 9 cadeaux. Donc, premier cadeau, la grille de confinement en PDF. Deuxième cadeau, la phrase rythmique à répéter jusqu'à 126. Troisième cadeau, l'exemple d'Armo Chopin. Noir égale 120, tel que je viens de le jouer. Ensuite, ça fait déjà trois cadeaux. Ensuite, quatrième cadeau, tu as le téléchargement en MP3 de la démonstration à l'harmonica avec la piste d'accompagnement. Ah ben non, ça fait 10 cadeaux en tout. Wow, t'es gâté. Parce qu'après, il y a 6 pistes d'accompagnement. Donc, ça fait 10 cadeaux en tout. Donc, les 6 pistes d'accompagnement, bah, ça dépend. Si tu joues avec un harmonica en si bémol, bah, tu as une piste d'accompagnement en si bémol. Si tu joues avec un harmonica en do, tu as une piste d'accompagnement en do. Si tu joues avec un ré ou avec un fa ou avec un sol ou avec un la, tu as aussi des pistes d'accompagnement. Donc, ça fait 10 cadeaux en tout. Je te gâte. C'est pour fêter le demi du confinement. Donc, comment faire pour télécharger tes cadeaux? Puisqu'en fait, c'est compressé en un fichier zip, un dossier zip que tu peux décompresser. Et donc, tout simplement, si tu me suis sur Facebook ou ailleurs que YouTube, eh ben, tu vas trouver le lien de téléchargement. Si tu es sur YouTube, c'est dans la zone de description en bas de la vidéo ou sur le i comme invitation. Et donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi matin, à 7h du matin, pour, bah, écoute, on verra bien ce qui se sera passé pendant la semaine. J'espère qu'on sera encore tous vivants. Et donc, j'aime beaucoup les murs noirs. Et donc, j'aurais peut-être une idée d'une 7e phrase de confinement ou de demi-déconfinement ou de déconfinement complet. Sait-on jamais. Enfin, en tout cas, nouvel exercice d'improvisation la semaine prochaine. Bye bye. Bonne musique.